voici un outil qui permet d'animer un atelier autour du sommeil. Cet outil se présente sous forme d'éventail et c'est un outil qui permet de présenter des questions sous forme de jeu. Alors il y a trois thématiques, les bienfaits du sommeil, la prévention et les bons comportements. Par exemple, en moyenne, combien de temps un adulte doit-il dormir par nuit? A, 6 heures, B, 8 heures ou C, 10 heures? Au verso, vous avez la réponse. Là, c'était la réponse B. Il est recommandé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour un adulte. Un autre exemple de question. Quel est le type de sommeil le plus réparateur? A, le sommeil paradoxal. B, le sommeil lent léger. Ou C, le sommeil lent profond? Au verso, la réponse vous dit que c'était la réponse C. Au contraire, du sommeil paradoxal, c'est le sommeil lent profond qui est associé à une activité cérébrale diminuée et qui permet de bien se reposer. Donc vous voyez, vous avez la réponse à la question, vous avez également un petit peu plus d'informations. Ces questions, vous pouvez les poser à l'ensemble du groupe, ensuite les participants donnent leurs réponses, et puis ensuite vous pouvez développer des échanges autour de la question. Ah oui, moi j'ai pensé ça, moi j'ai plutôt pensé ça, voilà. Faut en profiter pour développer un petit peu les réflexions et puis approfondir aussi. Enfin, à la fin du jeu, vous avez un encart qui permet de mesurer soi-même son sommeil en rentrant l'heure de coucher et l'heure de lever. Ça peut être un outil très intéressant pour que les personnes aient davantage conscience de quel est réellement leur sommeil. Voilà, merci beaucoup.